Les cadeaux de Noël sont enfin disponibles sur Fortnite. Oui, vous ne rêvez pas. En fait, le principe, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir ouvrir un cadeau de Noël tous les jours différents. Et j'ai une bonne nouvelle dans cette vidéo, on va tous les ouvrir ensemble. Et si vous ouvrez les cadeaux dans le même ordre que moi, du coup, vous saurez ce qu'il y a dedans. Pour pouvoir choisir vos cadeaux, c'est trop cool. Mais avant tout, n'oubliez pas d'aller dans la boutique d'objets. On a un skin gratuit pour tous les joueurs PC. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de descendre au milieu de la boutique d'objets et vous avez Papa Guff pour 0€ et vous pouvez acheter gratuitement le skin. C'est un cadeau de Fortnite, c'est trop cool de leur part. Et voilà le skin Papa Guff qui est incroyable, il met toujours le paquet et pas juste cadeau. L'ensemble Fête Hivernale 2022, il est trop cool. Donnez-moi votre avis en commentaire, je le trouve juste incroyable. J'en profite tant que je suis dans la boutique d'objets pour vous dire de mettre le code créateur PERCEI. Ça fait toujours plaisir pour me soutenir, c'est trop cool. Merci à tous ceux qui le font. Pour ça, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit flocon ici et vous avez cadeaux hivernaux avec notre beau chalet qui nous avait manqué. Et on a les cadeaux hivernaux. Déballer un cadeau gratuit chaque jour pendant 14 jours. Le chalet est trop stylé cette année. Qu'est-ce qu'on a? On a des cadeaux à gauche, à droite. On a le Papa Guff ici. Ah du coup ça, je pense que ça va être le dernier skin qu'on va pouvoir débloquer. On va l'ouvrir juste après, de toute façon on va voir ça ensemble. Ok, sur la droite, qu'est-ce qu'on a? On a du coup Jonessy qui joue, on a des cadeaux, on a des petites cloches qui jouent une petite musique, ok, sympa. Et de l'autre côté, on a le frigo, ok, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Oh, la banane congelée, c'était le skin qu'on avait... pendant la fête finale 2021, il me semble. Du coup, vous voyez dans le chalet actuellement, il y a plein de cadeaux et normalement, vous pouvez vous ouvrir qu'un seul par jour. Et je vous fais la promesse dans cette vidéo, regardez bien jusqu'au bout, on va ouvrir tous les cadeaux. Comme ça, on va découvrir ensemble tout ce qu'il y a dans tous les cadeaux de la fête finale 2022. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, dites-moi quel premier cadeau vous avez eu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et à aller me suivre sur mon Insta. Sur ce, c'est parti, on va s'ouvrir tous ces cadeaux ensemble. Ok, premier cadeau qu'on va ouvrir, on va prendre le jaune qui est à gauche. Alors, il a ouvert ce cadeau, on va voir ce qu'il y a dedans. Ok, c'est une espèce de pioche de Noël avec un petit peu un espèce de Père Noël en bois qui est trop cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Premier cadeau validé pour l'instant. Ok, deuxième cadeau, on est parti. Le petit blanc qui est ici. On secoue. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, deuxième cadeau et c'est un tag. Du coup, c'est le skin qu'on a eu en cadeau, un petit peu sous forme de sapin de Noël. Plutôt cool aussi, j'aime bien. Ok, troisième cadeau, on est parti, on ouvre le bleu qui est juste ici, on fait tout ce de gauche, on secoue. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans celui-ci? Ok, du coup, c'est une émote boule de Noël un peu, mais en mode grenade. Plutôt sympa aussi. C'est pas le truc qu'on utilise le plus, mais ça fait toujours plaisir. Ok, nouveau cadeau, on ouvre le violet. On secoue. Qu'est-ce qu'on va avoir? Il a l'air assez gros celui-ci, hein. Peut-être un skin. Ok, c'est une émote trop stylée, c'est un espèce de reine du Père Noël en bois. Assez cool, j'aime bien. Avec la petite musique. Ah, elle lance des bonbons en plus. Non, franchement, j'aime bien valider. Ok, nouveau cadeau. Oh, lui, c'est le plus gros de gauche, presque. Rouge et vert. On secoue, qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, un skin d'arme, un petit peu version, version Noël, version cadeau de Noël, pas mal aussi. Ok, oh là, un cadeau plat, ah ça c'est une musique, c'est un espèce de disque vinyle, un petit peu on le voit, il est un peu ouvert déjà, c'est stylé. Ok, une petite chanson, Rip and Tear 2016, ok. Pour ceux qui ont la rêve, dites-moi en commentaire. Ok, nouveau cadeau, le jaune, tout en longueur, ça peut être un skin, hein. Ça il y a moyen que ça soit un skin. Non, toujours pas, c'est un planeur, ok, planeur de Noël, assez classique, avec le Père Noël au-dessus j'ai l'impression, ok, plutôt pas mal. Ok, nouveau cadeau, on est parti les gars, qu'est-ce que ça va être? On secoue. Ok, c'est un skin. Ok, premier skin qu'on a du coup, qu'on ouvre. Il est trop stylé du coup, avec une espèce de tenue de Noël, version jogging un peu crop top. Franchement validé avec les lunettes de ski un peu genre snowboard. Franchement je kiffe de ouf, validé de fou. Ok, on passe au cadeau de droite, on a fini tout saut de gauche déjà, ok. Cadeau de droite, premier cadeau de droite, on a du coup un cadeau bleu clair, qu'est-ce qu'on a dedans? Ok, c'est une traînée un petit peu version sapin de Noël, j'aime beaucoup aussi. Cadeau rose, toujours à droite, et on a le fond qui change aussi au fur et à mesure qu'on ouvre les cadeaux, j'avais oublié ça. Ok, une petite musique de Noël, Winterfest 2022, fête hivernale 2022, pas mal aussi. On continue avec le nouveau cadeau de droite, et qu'est-ce qu'on va avoir?
aucun nouveau skin d'armes. En plus, il est un petit peu, il est en mouvement avec la petite étoile qu'on voyait, qui est très très cool. Ok, qu'est-ce qu'il a ouvert après? Le cadeau blanc et bleu. Ok, c'est un petit sac de Noël en mode serre qui bouge en plus avec des petits flocons. C'est assez sympa. J'aime beaucoup. Toujours dans l'esprit Noël, ça qui est marrant. Ok, le cadeau rose. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans celui-ci? Peut-être un skin, hein, il a l'air un petit peu grand. Ok, non. Oh, c'est un planeur. Il est trop trop cool. Ok, hyper original. Pour le coup, je préfère largement celui-ci que celui qu'on a ouvert à gauche. Ok, et du coup, dernier cadeau. C'est le cadeau qu'on peut ouvrir que seulement le jour de Noël. Et c'est le nouveau skin, du coup, qui ressemble à celui qu'on nous a offert. Mais du coup, c'est le skin Guff, un petit peu version, version marron, un peu. Ça fait penser à un chocolat chaud. Il est trop trop stylé, je kiffe de ouf. Ok les gars, on a ouvert tous les cadeaux. Dites-moi lequel vous préférez en commentaire, je kiffe le dernier. En plus, on le voit qui joue, qui s'est rajouté au fond, qui est en train de jouer avec les deux autres. C'est trop trop cool. Dites-moi si vous préfériez les cadeaux de Noël de l'année dernière ou de cette année. Je pense que j'ai un petit penchant pour les cadeaux de l'année dernière quand même. Même si les deux skins, celui offert et le dernier, sont mieux cette année, je trouve. En tout cas, ça fait super plaisir. N'hésitez pas de mettre un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne, mettre le code créateur dans la boutique, monsieur sur Insta, ça fait super plaisir pour me soutenir. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Salut l'équipe.